Yo les guys, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. Attendez, je diminue un peu le volume. Nous allons continuer, je disais, nous allons continuer notre aventure sur Ligue des Masters. Nous allons continuer avec le FC Barcelone et aujourd'hui, nous allons jouer contre l'Atlético de Madrid, si je ne me trompe pas. Non, pas contre l'Atlético. On va jouer trois matchs. On va jouer même à la Champions League. Donc les gars, aujourd'hui, vidéo spéciale. Allez, on va aller au match suivant. D'abord, on va voir info, pas calendrier, pardon. On va voir gestion d'équipe, plan du jeu. Et voilà. Donc ça, c'est mon équipe type. Je ne vais pas trop changer. Par contre, je vais mettre Lewandowski. Voilà, ça sera l'équipe type maintenant. Et je crois que je vais mettre plutôt Rafinha ici. Et puis je vais mettre Ferran Torres de ce côté. Voilà, Ronald. Ah, bah, je vais regarder. Il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas en forme, comme celui-ci, Franck Kessié. Je peux le changer face à Gavi, qui veut jouer. Et où est Pedri? Ah bon, on laisse tout comme ça. Et Garcia, peut-être on va mettre Ronald Araújo. Par contre, Sergi Roberto, on peut mettre peut-être Frankie de Jong. Voilà. Allez, on va directement enchaîner le deuxième match. On va cliquer sur le coup d'envoi. Donc, on joue contre Real Valladolid. Donc, je joue difficulté professionnelle. Donc, ça sera un peu difficile. Mais ça sera pas trop difficile. Ça sera pas trop cheaté. Parce que je vous déconseille de jouer Superstar. C'est trop cheaté. Et vous avez remarqué sur mon avatar, il n'y a pas la manette. Pourquoi il n'y a pas de manette? Eh bien, la raison c'est parce que, attendez, la raison c'est parce que je suis maintenant sur une nouvelle manette. Je suis sur manette PS4. Et la manette PS4, ce n'est pas vraiment, comment dire, ce n'est pas adapté à mon avatar et donc je ne peux pas voir les mouvements de la manette. Je vais voir ça après, je vais régler ça. Mais l'avatar, ça, je peux l'utiliser sans la manette, il n'y a pas de souci. J'ai acheté une nouvelle manette parce que mon ancienne manette, comme je vous avais dit, ça avait des soucis parce qu'elle est très ancienne. C'était une manette Xbox. Et là, je suis sur manette PS4 cette fois-ci. Et j'utilise le Bluetooth en fait, tu vois. Et je suis grippé, donc parfois vous m'entendrez en train de sniffer un peu, de me moucher parce que. Et sur cette série, je vais pas couper au montage parce que je me dis, de toute façon, je vais le faire seulement sur Vers une légende pour ceux qui suivent ma carrière en tant que joueur, mais ma carrière en tant que manager du FC Barcelone sur Football Life. Je vais pas couper au montage, je vais tout laisser comme ça. Parce que je trouve que c'est mieux que vous voyez tous les matchs et comment je joue. Et vu que je contrôle toute l'équipe, donc c'est normal. Allez, c'est parti. Donc je m'attends à ce que les vidéos de Ligue de Master peuvent faire 1 heure. Donc préparez-vous, prenez un café et suivez cette série seulement quand vous avez beaucoup de temps. Si vous n'avez pas vraiment le temps, le soir, c'est pour ça que je pose souvent le soir, parce que je me dis que le soir, tout le monde est chill en train de regarder un peu à la maison. Attention, peut-être un premier tir, non, ça rentre pas. Donc je suis grippé, j'ai un rhume, c'est pour ça aussi que je postais pas très très souvent. Je veux pas
posté très très souvent. Et je vous souhaite aussi une bonne année. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Hein. Mais je crois que la plupart qui vont regarder cette vidéo, ça sera le 1er janvier. Donc, je vous souhaite une bonne année. Donc, pour l'instant, je ne suis pas concentré. Je suis juste en train de parler, parler, parler. Et le match a déjà débuté. Donc, on va essayer de gagner ce match. Donc, déjà, je trouve que la difficulté, je trouve qu'elle va mieux, tu vois. On va essayer d'arracher cette balle. Donc, il y a une épidémie de grippe terrible, j'ai trouvé. C'est partout au monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont une grippe. Et je crois que c'est parce que nous sommes dans une période du froid, donc partout au monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont la grippe, qui ont, je sais pas, la toux. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. On voit beaucoup de Voilà, on fuite récupère la et non balle. seulement en attaque. Oui, les joueurs s'entendent bien. On On va dirait qu'ils essayer s'entendent de très jouer bien. calmement. En Et tout on cas, voit je que trouve cette que équipe cette semble équipe est vraiment trop prête à l'attaque. compacte. Et c'est normal parce que je compte le Barça. Attention. Lui, il ne résiste pas. Ballon perdu. Franchement, Ça part je en suis en train touche. de faire de la merde. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça joue dans l'axe. La frappe est bonne. Attention. Oh, c'était C'est très bien typique. tiré de leur part. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Allez, De Jong, qui joue avec je sais pas qui. Là, c'est Gavi, je crois. Ferran Torres, non? Par contre, je vais déplacer un peu mon avatar. Je trouve que ça empêche certains de voir. Je sais pas où je vais le mettre. On peut le mettre ici au-dessus. Ou bien on va le faire tout petit comme ça. Donc, vous me dites ce que vous pensez. Parce que je vais voir le nom des joueurs. Oui, je joue sur OBS. Moi, je joue sur OBS. Je joue pas à plein écran parce que. Ah, je veux contrôler le volume et tout, voir que tout marche bien. C'est joué long. Donc là, l'équipe est en train de me dominer. Je joue difficulté L'équipe est professionnelle. libre de C'est une récupérer. difficulté pour moi qui est un Ah, peu c'est bien, c'est difficile. parti bien ce contre. Peut-être pour cette aide, ce sera facile, mais pour moi, c'est un peu difficile. Donc, vous avez Oui. remarqué même que. Attention, ça peut aller vite côté gauche. Et voilà, Ça peut aller attention. vite Et le côté but. gauche. Oh Le là là premier là là! but de Lewandowski. FC Barcelone! Et c'est parti pour la saison. Je crois que c'est le premier match de saison. Non, non, je crois que c'est le deuxième match, si je ne me trompe pas. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Donc voilà tout. En tout cas, ce qui est de carrière de ce Football Live, je vois qu'ils ont bien fait les maillots. Il y a vraiment tout. Hein. Il y a même le logo Spotify qui est devenu le sponsor de FC Barcelone. Je trouve qu'ils ont fait un travail monstre sur ça. Et ce que j'aime sur ce mode, c'est que les passes, elles sont vraiment fluides et le contrôle, c'est tellement rapide, je trouve. Mais il y a encore des soucis comme surtirer ou bien les centres qui, je trouve pas qu'ils sont pas encore bien faits, mais Je ça ne vais va. même pas me surprendre de le voir En marquer tout ce cas, but mieux que magnifique. PES 2021, je trouve. De Jong. Ils ont retravaillé. Attention, qu'est-ce que je. Ferran Torres pouvait prendre cette balle. Il y a faute arbitre, il ne siffle pas. La bonne passe, la longue passe, il peut en profiter. Une passe là, attention. Lewandowski pouvait prendre cette balle. C'est une interception parfaite. Donc les Sergio Busquets qui joue avec Ferran Torres. Ferran Torres que je trouve qui est un peu partout. Attention, De Jong il peut tirer. Alors, j'ai très très mal tiré. Et on va essayer de jouer possession de balle. On va essayer d'arracher la balle à l'adversaire parce que de toute façon, Real Valladolid, je crois pas qu'ils peuvent nous l'arracher cette balle. À part s'ils nous Rafinha. surprennent, mais je crois pas qu'ils vont nous surprendre. De Jong, Bon, il calmement. décide d'allonger le C'est jeu. toujours calmé. Il faut toujours construire. Ça peut partir en contre. À part quand on rencontre le Real, là c'est autre chose. Hein. Le Real est cheaté dans ce jeu, je vous jure. 11-0.
Heureusement, je les ai battus sur le truc, mais au premier match, j'avais galéré, vous avez vu. Et c'était juste impossible de marquer un but. Attention, là, Lewandowski demande la balle. Là, il peut aller. Aïe, aïe, aïe. Et le but, le deuxième but, j'ai cru que j'avais raté. 2-0, c'est ça va super bien en tout cas. Voilà, il faut construire. Je vous conseille de toujours y aller doucement, surtout avec les petites équipes comme ça, parce que ce sont les grosses équipes. Les petites équipes, il faut construire calmement. Vous pouvez y arriver à marquer, même avec quand vous jouez un face à face avec votre frère ou votre. Allez toujours doucement sur les passes. Ça peut être toujours cash. Mais vous voyez quand on veut tellement gagner, on oublie les bases du football. On veut tellement montrer des skills. Mais c'est souvent quand c'est plus simple qu'on arrive à marquer. Voilà, De Jong. 2-0 en tout cas. Je ne m'attendais pas à gagner 2-0 à la mi-temps. Je m'attendais peut-être à un but partout, 0-0. Alors, vous allez me dire si ces minutes, ça va. Je joue 9 minutes. Allez, ah là là, on est ce qui était loin. Je pense que celle-là, c'est sorti. Là, c'est Piqué. Il joue avec Koundé. C'est Rafinha. Je passe un peu à De Jong là. J'ai voulu jouer avec Ferran Torres. Attention, Jordi Alba demande la balle. Oh, très très bien joué. Donc on a un très très bon buteur comme Lewandowski. Je crois que pour marquer les buts, vraiment, on ne peut pas avoir mieux. Hein. On peut pas avoir mieux. Par contre, peut-être que je pourrais faire au mercato. Je pourrais acheter un autre joueur, un autre attaquant pour les remplacer. Mais j'ai Memphis Depay, mais. Je ne trouve pas que ce soit un buteur vraiment, vraiment, si vous comprenez ce que je veux dire, un renard de surface. Je veux un renard de surface, mais qui n'est pas très très fort comme Lewandowski, qui est juste là pour la doublure. Attention. Et ça, c'est très très bien joué de la part de Valadoïd. J'ai été distrait, je parlais tellement. Et voilà, 2-1. Il ne faut pas se faire remonter surtout. Ah, ils ont super bien joué en tout cas. Là, ils m'ont eu. C'est Piqué qui a été distrait. Il n'a pas pu intercepter. Je vais passer tout ça. Voilà, Lewandowski peut aller. Et le but, comme je disais, quand on est un joueur pareil, c'est très facile. C'est très facile de marquer. Il suffit juste de mettre un peu plus de puissance et ça entre. Voilà, c'était une passe de Gavi. Je suis allé parce que je savais qu'il était déjà avancé. Et triplé, premier triplé de Lewandowski. C'est juste, c'est un joueur cheaté dans ce jeu. Même en difficulté superstar, je trouve qu'il est un peu cheaté. Et c'est mieux qu'il soit avec notre équipe, qu'il soit contre nous, parce que j'imagine pas s'il était contre nous. Attention, et voilà, je vous dis, il est cheaté ce joueur. Ça fait 4 buts à 1. Voilà, c'est juste triangle. Vous jouez, vous faites des petites passes et vous cherchez juste, vous faites une passe et vous la mettez dans l'espace et il va la trouver. Un 4 triplé, une grosse performance de sa part. Donc, tous les buteurs de la Liga sont prévenus. Attention, il peut marquer peut-être un quintuplé. Il est capable, même dans la vraie vie, de faire ça. Donc ça, c'est très bien qu'on gagne le premier match, surtout à l'extérieur. Voilà, j'aurais dû protéger la balle. Attention là-bas. Attention, qu'est-ce qu'il fout? Oh là là,
Franchement, la défense est une catastrophe. Ils ne savent pas se placer. Je crois que je vais remplacer Busquets. Je trouve qu'il ne sert à rien. Là, il pouvait intercepter, mais. Je vais faire des changements au premier truc là. Voilà, Lewandowski encore. Non, ça passe pas. Cas, on a la chance d'avoir un très bon buteur parce que je crois que si on n'avait pas Lewandowski, ça allait être difficile de gagner ce match. Attention, Busquets, récupération. Ouais, je trouve que Busquets aujourd'hui, ça donne pas du tout. Attention. Ouf! S'ils avaient mis un troisième but là, ça serait chaud pour nous. Donc l'équipe commence à jouer, donc il faut faire attention. On va jouer avec Rafinha un peu. Il faut calmer un peu le jeu parce que je trouve que l'équipe en face veut égaliser rapidement. Mais je vais faire des remplacements. Je vais enlever Gavi. Je trouve pas qu'il est en forme. Je vais mettre Franck ici pour aider à la récupération. Fini aussi. Je le vois pas du tout. Je vais mettre Ousmane Dembélé. Je vais faire deux remplacements pour le moment et garder les autres. Maintenant, on a cinq remplacements donc. On a largement quoi faire. Et voilà, il est cheaté, juste ce joueur est cheaté. Triangle passe et ça rentre. Quand tu plais, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Passe de Jordi Alba, je crois. Je voulais même pas le passer à Lewandowski, je voulais passer à Torres. Et voilà, il marque. En tout cas, c'est le joueur vraiment à garder dans cette équipe. Avec lui, je crois qu'on peut gagner beaucoup de trophées cette saison. Cinq buts à deux et remplacement Dembélé, je crois qu'il va amener un peu de dynamisme là-bas parce que je trouvais que Rafinha, ou bien c'est parce que Lewandowski a fait beaucoup trop de trucs de boulot, de travail, pardon. S'est tapé tout le travail lui seul. Voilà, Lewandowski, en tout cas Frenkie de Jong, je trouve qu'il a super fait super beau match. Attention. Ah, mais il n'y avait pas vraiment. Là, c'était avantage arbitre. Vois ce que je dis. Quand on joue, quand on augmente un peu le niveau, l'arbitre est contre vous. Là, peut-être on peut contrôler le gardien parce que là, je crois qu'il va tirer de ce côté. Ah. Le mur. Allez, aïe, aïe, aïe. Quintuplé de Lewandowski, franchement, je ne m'attendais pas à un score aussi élevé. Je ne m'attendais pas à ce que le Barça soit super fort comme ça. Là, ils nous ont arraché la balle, mais si on la récupère, on joue calmement les passes. On va faire une passe lobée. Ah, pourquoi Jordi Alba, qu'est-ce qu'il a foutu? On peut faire des remplacements, nous aussi, on va faire remplacement. Frenkie de Jong, il a fait un grand match, mais il doit sortir Pedri qui vient. Jordi Alba aussi, il a fait un très très grand match. Je mets Marco Alonso. Voilà, on va faire comme ça, deux remplacements. Sorti. Voilà, bon, premier, ça fait 6 points qu'on a, je crois, on va consolider notre place au classement en tout cas. Donc là, attention.
terminé. Avec Dembélé. Bien servi. Et c'est bien par-dessus. Allez. On peut peut-être mettre un sixième but, je crois pas. Mais eux peuvent mettre un troisième but, donc. Voilà, match terminé, 5 buts à 2. Voilà, c'est gros match, gros match de Lewandowski, 5 buts. C'est juste incroyable. Donc on va passer tout ça. Je crois qu'on avait gagné notre premier match, si je me souviens. Dernier jour de transfert, je vais acheter personne pour le moment. Je m'occuperai de ça après quand je verrai il y aura des lacunes. Et je crois que le Barça a tellement de bons joueurs. Et là, on vient de me dire quelque chose. Info sur mon équipe. Performance du club. Bon, tout ça, je verrai après. Hein. J'ai pas envie de traîner sur des choses ici. Rapport du budget. Pour voir l'argent qui est déjà entré. Donc, je crois qu'avec ce que Lewandowski va nous faire cette saison, on va rapporter beaucoup en termes de vente de maillots. Le calendrier, je voulais voir aussi. Le match passé qu'on a joué, on a battu le Girona. C'était qui avait marqué? Je me souviens pas, faudrait que vous me rappelez sur le chat. Et donc, on peut voir la compétition, je me demande. Qui est le meilleur tireur? Le meilleur buteur, pardon. Et je veux voir un force de compétition. Où est l'Espagne? Liga Santander, meilleur buteur, on va voir. Lewandowski, 6 buts. Ah, oh, il avait marqué un but l'autre fois. On va passer. Donc, on va jouer notre match contre. Premier match contre Champions League, je crois. Donc, on va avancer le temps. En suivant direct, parce que. Je vais acheter personne et j'ai pas envie. De négocier pour le moment pour vendre mes joueurs. Champions League. Donc tout le monde est convaincu que vous avez dominé. Vous avez dominé. Quelles sont vos impressions hein? Je n'ai même pas vu le groupe dans lequel nous sommes. Terminer premier, ça sera un bonus. Bon, je vais passer tout ça, c'est qu'il va dire tout ça et il parle même pas. Donc je me demande. Base de données info de compétition, la Champions League. Ah, voilà, UEFA Champions League, barrage. Non, phase de groupe, pardon. Donc on est avec Liverpool. Ah bon, Trabzonspor, ça doit être de Turquie, et Vojvodina, ça je sais pas, ça doit être croate ou je sais pas quoi. On va voir, bureau manager, message. Donc, Koundé, Jordi Alba, Rafinha ont été les meilleurs joueurs de ce mois. Donc, entraînement, rapport d'entraînement, voilà, calendrier. Donc, ça en a, revenez du mois. On peut voir bureau, rapport de budget, ok. Résultat du recruteur, ça, tout ça, je sais. On va voir bureau, manager, rapport budget. Ouais, on a fait entrer beaucoup d'argent, parce que je vois. Bonus, billetterie, budget salaire. Budget transfert 100 000, budget salaire 7 millions, donc je trouve que les soldes ça va bien. Et puis voilà, bonus billetterie 500 000 euros.
Marchandise 100 000 euros, bonus popularité 900 000 euros. Ok, tout va bien pour le truc. Négociation, qui veut acheter qui, recrutement. Donc moi je veux un buteur pour remplacer. Je me dis peut-être Diogo Jota ou Ciro Immobile peut-être. Mais moi je veux un jeune joueur en fait. Recrutement, j'ai envie de changer. On ne peut pas changer l'âge malheureusement. Si c'était possible. Ok, on va au prochain match contre... Je crois que je vais changer personne. Il faut toujours garder son équipe type. Peut-être je vais mettre Pedri. Franck ici, il est chaud. Donc je vais le mettre à la place de Gavi. Donc tout le monde a l'air chaud aujourd'hui pour la Champions League. Donc tout ça va. Eric Garcia, peut-être il est chaud, mais je vais les laisser. Y a-t-il des gens qui sont chauds en bas? Christensen. Oui, il est chaud, je vais le mettre à la place de Alvaro Sanz. Le Memphis Depay et tout, je les laisse en bas pour le moment. Pour la Champions League, on est limité sur les remplacements, donc il faut être sûr que tous les joueurs que vous avez pris, ça vous sera nécessaire. Je vais mettre Christensen, je le laisse, je mets Ousmane Dembélé. Ok, on y va pour le match suivant contre, je sais pas, je ne m'appelle pas. Donc c'est bon, en fait, je vais jouer Champions League ici. Barcelone est enfin dans les starting blocks. La phase de préparation est terminée. On a peaufiné les réglages, on a étudié l'adversaire, on a fait de très longues séances de vidéos. Et maintenant, l'heure est enfin venue de lancer cette nouvelle saison européenne dans la plus prestigieuse des compétitions. Avec évidemment l'envie, l'espoir, le rêve de remporter le trophée au bout. Et vu l'ambiance qui règne ici, on peut vous assurer qu'ils n'auront aucun mal à se mettre dans le bain. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. C'est parti pour la Champions League. J'espère que YouTube ne va pas me copyrighter sur cette chanson. Je sais pas, les droits d'auteur sur ça, peut-être ils ne copyrightent pas cette chanson, donc ça va. Donc je connais aucun joueur, je crois que c'était... Oui, ça doit être... croate cette équipe, parce que je vois beaucoup de noms croates, ou bien peut-être Serbie, parce qu'ils ont les mêmes noms. Et c'est parti, nous allons jouer un grand match, premier match de la Champions League, espérons ne pas le perdre. On connaît les surprises de la Champions League. Voilà, très belle interception déjà de Koundé. Les interceptions, je trouve que ça va super bien. C'est vrai que c'est un excellent défenseur. Faut les laisser jouer pour voir beaucoup leur jeu. Voilà, ça va. L'ouverture lumineuse. Attention au compte. Je trouve que Lewandowski demande la... Il est passé. On va voir. C'est bien fait. Oh, c'était hors jeu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû pas passer. J'ai été trop altruiste. Allez, que je tire avec Ferran Torres direct. Caissier. Attention, il ne faut pas se prendre un but. Premier tir. Premier tir.
Allez, Rafinha qui joue avec Deon. Peut-être j'aurais dû commencer avec Dembélé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc De Jong qui joue avec Rafinha. Rafinha, je vois. Lewandowski qui peut jouer. Attention, il y a beaucoup de joueurs, je trouve. Kessier. Oh là là, premier tir. J'aurais dû peut-être pas enrouler. En tout cas, on joue super bien. Moi, je veux un ancien jeu de Guardiola. Un petit tiki-taka, tu vois. Jeu de passe, jeu de possession. Faut chercher, faut toujours passer dans les espaces. Et voici Piqué. Voilà. Voilà, peut-être je suis un peu trop. Mes passes sont trop téléphonées, donc. Pas d'évolution au score. En tout cas, De Jong, je trouve, il joue super bien ici. C'est un bon mouvement. Lewandowski. Bon, j'essaie de chercher Lewandowski parce que c'est notre joueur cheat. Attention, attention, là, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Très bien joué de Koundé. Très belle interception. On était 4 contre 3, je crois. Voilà. Voilà une bonne occasion de contre. Ah là là. Ah, c'est dommage, il partit bien ce contre. C'était un joli contre, mais j'ai très mal joué sur ce coup. Voilà. Ah là 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 là. Ils sont super forts dans les interceptions, cette équipe, je trouve aussi. Ils jouent mieux en tout cas que Valladolid, mais c'est compréhensible. Ils sont en Champions League, donc ça doit être la meilleure équipe de la Croatie. Dites-moi dans les commentaires d'où vient cette équipe. D'où vient cette équipe? Attention. Ah, il n'y avait pas vraiment faute là-bas. La passe est précise. Ouh, là, ils ont failli marquer. Ter Stegen nous sauve. Rafinha, ça c'est. Là, il y a un coup à jouer, peut-être. Est-ce que Lewandowski. Ah non, ça c'était très très mal centré. De la part de Rafinha. Allez, Rafinha encore. Oh là là, ça c'est vraiment. Ils ont une super défense, je trouve. Et la Rafinha est le premier but. Un très très bon but. Voilà. Je savais que cette défense allait se lâcher à un moment parce que on sentait qu'on n'était pas si loin que ça de marquer un but. En tout cas là j'ai super bien joué. Je me suis dit que j'allais tirer avec De Jong, mais non, j'ai vu qu'il y avait. Je voulais même Kessié, je voulais même pas Rafinha. Je voulais que ça passe à Kessié, mais. Et je voulais aussi repasser encore par Lewandowski, mais. Bon. Là, quand j'ai vu que c'était Rafinha qu'il y avait, j'ai juste enroulé. Donc, enroulé, c'est R1 et 0, donc pour ceux qui ne savent pas. Et la balle, vous la mettez. Vous placez votre frappe, en fait, à un endroit où le gardien ne peut pas prendre. Donc on fera, je me demande, on fera une heure par vidéo, donc ça peut être 3 ou 4 matchs par vidéo, donc vu que ça sera un format très très long. Là c'était pour Lewandowski, mais ils ont lu la trajectoire, en tout cas ça va. De Jong en tout cas il fait des matchs incroyables je trouve. Ça c'était pour Lewandowski, mais très très mauvais passe de De Jong sur ce coup, il peut faire mieux. Vous pouvez fermer en tout cas De Jong, je trouve là-bas. Voilà, là je sais qu'il va vouloir centrer. Très très bien joué de la part de Piqué, je crois. Koundé. Première mi-temps, 1-0, but de Rafinha. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça.
Allez, c'est parti, deuxième mi-temps. Attention, c'est juste un but, hein. Faut pas s'emballer, c'est pas terminé, faut rester concentré aussi. Voilà, là c'est corner, je crois. J'ai touché la balle. Donc, s'il y a des petites anomalies sur la vidéo, vraiment désolé. Je ne vais pas monter sur cette vidéo parce que déjà je suis très pris. Surtout que j'ai fait une série sur Verne Legend. Donc. Allez, ça c'est pour Lewandowski. Je trouve que Ferran Torres va avoir cette balle, bien sûr. Parce que j'ai mis autant de force. Attention. Ok, Sien n'est pas réveillé, il est distrait, je trouve. Ça, je vais le laisser à Busquets parce que je veux pas que. Pourquoi il joue super bien cette équipe. Mais on est solide derrière pour le moment. Donc je vais jouer avec Rafinha là-bas. Je trouve que cette équipe commence maintenant à vouloir marquer. Ils sont revenus à la deuxième mi-temps. Ils étaient chauds. Rafinha, est-ce qu'il va l'avoir? Je ne crois pas qu'il va l'avoir. Il faut marquer un deuxième but le plus rapidement possible parce qu'on est dans un. On n'est pas dans un groupe difficile, mais on ne sait jamais. Je n'ai pas envie de faire comme dans la vraie vie, aller dans l'Europa League. Donc, il faudra aller jusqu'en huitième de finale. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, ce caissier? Allez, heureusement. Mais ils sont cheatés. Hein. J'avais arraché la balle, mais attention. Très, très joli dribble là-bas. Mais là, ça ne peut pas entrer. Attention, mais c'est cheaté, je vous jure, c'est cheaté. C'est cheaté. Mais c'est cheaté. Je sens que la LIA est en train d'avoir les avantages du jeu parce que on n'arrive même plus à contrôler la balle. Je crois que je vais faire le changement. Kessié, je ne le trouve pas assez percutant. Je vais mettre qui? J'ai oublié Pedri. J'ai oublié Pedri. Mais il n'y a pas de souci. Je vais mettre Gavi. Et je trouve que Araújo ne joue pas bien de ce côté. Donc, je fais comme ça. Un seul remplacement pour le début. Parce que je trouve que tout le monde joue bien pour le moment. Il y a moins de remplacements en Champions League. Bizarrement, c'est dommage. Mais qu'est-ce que tu fous, Pedri? Il fait du contrôle, je te jure. Je ne sais pas, ce jeu. Alors, ce jeu commence à cheater. Hein. Vous avez vu ce contrôle de Pedri? Ça l'a pris... 20 ans pour contrôler cette balle. Regardez. Là, ils sont partout. Heureusement, Lewandowski intercepte. Mais ça, c'est quoi cette passe? Ok. Gavi, tire direct. Parce que je sens que si on ne tire pas, ils vont vouloir intercepter. Donc là, ça commence à devenir difficile. Allez, là, on peut récupérer. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu, je vous jure, je sens plus. On dégage les gars, on dégage parce que là je sens que le jeu est en train de bugger sérieusement. Ils veulent me forcer à perdre. Mais ça montre peut-être que le moral de l'équipe aussi, ça change. Parfois l'équipe, mais c'est un peu parfois moins réaliste je trouve. Comme là, je crois pas que c'était sorti hein. Comme là, j'ai fait une jolie passe et les balles retombent seulement sur l'adversaire. Regardez. Juste impossible. Ok, on y va. On va passer directement à Lewandowski parce que je sens... Ah, il a pris beaucoup de temps pour tirer. Ferran Torres, je trouve qu'il n'est pas présent. On va faire des remplacements parce que je sens qu'il y a de la fatigue qui se ressent. Sergi Roberto, peut-être il peut nous aider. Rafinha, je le garde. Bon, aussi, je crois que je vais le garder. Par contre, des côtés des latéraux, bien sûr, je dois changer.
Parce que je sens que Jordi Alba ne va plus donner. Je sens que ça va revenir de ce côté aussi. Donc on fait comme ça. Quelques remplacements, trois remplacements. Faire entrer un joueur d'expérience quand on mène à ce stade du match, c'est plutôt une bonne idée. J'ai fait trois remplacements ou deux, je me souviens pas. Marcos Alonso, il se fait manger complètement. J'aurais dû peut-être garder. Allez, on le prend à deux parce que là, voilà, ça c'est qui? C'est Sergi Roberto. Est-ce qu'il va nous aider? Oh là, mais là, il m'a poussé, arbitre. Ça ne siffle pas, ça. Et moi, quand je vais le faire, il va siffler. Cet arbitre est corrompu, les gars. Il est corrompu. Ça, il faut maintenant défendre parce qu'on voit que rien n'est avec nous aujourd'hui. Pourquoi Sergi Roberto, il apporte quelque chose. Je sens que... Ça, c'est pour le gardien. En fait, j'ai envie de remplacer parce que je vois que Jules Koundé aussi a l'air fatigué. Mais le jeu est en train de bugger, je vous assure. Ça ne veut pas que je change. Allez, Hector Bellerin, parce que je vois que Koundé aussi, à bout de souffle. Je vais passer à Marcos Alonso, parce que je vois que c'est lui qui a l'air d'être... C'est bien fait, ça. Sergi Roberto. Voilà, Jules Koundé est venu aider. Ça passe pas du tout, en tout cas, les gars. C'était un match difficile, hein. Ouf! Match très difficile, les gars, mais on s'en sort avec 1-0. On a paniqué, je crois. On a paniqué à la deuxième mi-temps. C'était plus le même match. Bon, ça fait 1-0, donc tout va bien pour le moment. Donc, on va jouer un autre match. Voilà, 1-0, donc. On prend les 3 points, c'est le nécessaire. Pour pas, surtout parce qu'on aura face à Liverpool et là, ça sera chaud. Et le prochain match, gros match, Atlético Madrid. Là, je vais mettre la bombe, les gars. Donc là, directement, je veux changer quelques joueurs. Au final, il a bien joué, en tout cas, je sais pas. Ferran Torres, je le trouve pas vraiment. Ça va dépendre. Est-ce que je vais à Franck Essier, il est chaud? Est-ce qu'on le met, Franck Essier? Par contre, Araújo, c'est vrai, je le trouve bon, mais je vais mettre Eric Garcia cette fois-ci. Tout le monde est chaud, on dirait, donc je vais laisser les autres devant comme ça. Non, je mets Dembélé cette fois-ci. Pedri, faut pas l'oublier. Je peux le monter. Donc, on va faire comme ça pour le moment et on va changer. Faut pas trop changer son équipe, faut que... Il y a certains joueurs qui sont titulaires indiscutables, comme Lewandowski, lui, il est titulaire indiscutable. Et certainement, il y aura des joueurs qui vont venir nous demander du temps de jeu. Je pense surtout à Memphis Depay que je ne veux pas tellement jouer. Je pense même que je vais le vendre, peut-être. Allez, le Camp Nou. Donc on va passer tout ça et on va directement commencer le match. Voilà, là je vois que Lewandowski demandait la balle. Donc, j'espère que j'ai pas fait une erreur en laissant Franky De Jong sur le banc. Attention, Kessié en tout cas il est chaud aujourd'hui, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'étais distrait, j'ai regardé les autres jouer au lieu de regarder. Donc les joueurs ils sont chauds à bien défendre. Donc quand il y a une défense qui est chaude, tout le monde est chaud pour le match. C'est très très bien, ça montre que vous pouvez gagner aussi. Il faut regarder aussi la motivation des joueurs parce que si vous regardez pas la motivation des joueurs et... Mais qu'est-ce qu'il faut lui? Qu'est-ce qu'il faut? Ok, voilà. Dembélé.
Je peux faire une très très longue passe de... Ah là là, peut-être il fallait que je lobe la passe. Mais c'est intercepté. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Là, il joue super bien Atletico. Attention, attention, je... Oh là là. Là, j'ai fait du n'importe quoi, on va pas se mentir. Il commence, il commence. Allez, on récupère Koundé, mais il n'y a pas faute, arbitre. Il n'y a pas vraiment faute. Donc, quand on va jouer contre les grosses équipes, vous allez sentir que la difficulté, ça sera un peu difficile. Ah là 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 là, arbitre, il y a Supri à 2, donc là, peut-être qu'il fallait que je lâche la balle. On va récupérer cette... Oh, arbitre. L'arbitre est corrompu, les gars. Il est corrompu. Je parie qu'ils vont marquer un but dans quelques minutes. Vous allez voir, vous allez voir. Ok, heureusement qu'on a récupéré. Donc, du coup, on va dégager parce que là... Ça ne va pas. On va essayer de jouer les longues passes parce que je vois que... Ah là là, mais ça... Ça ne va pas du tout. Nous sommes pressés de partout. Et l'arbitre aussi qui est contre nous, donc... Bon, je voulais passer... Je voulais pas passer Lewandowski. Je sais pas ce que le joueur fait. Attention, attention. Faut pas le laisser beaucoup d'espace. Voilà, récupération. Ça, c'est pour Lewandowski. Là, je vois Ferran Torres. Voilà. C'est totalement impossible. Long ballon dans le sens du jeu. Il a du champ sur le côté. Attention, là, ils ont failli marquer. Donc là, ça va. Je trouve Dembélé qui demande une balle. Je jouais les longues passes parce que je trouve que c'est ça qui les déstabilise un peu. Donc du coup, ils sont venus déterminer cette équipe. Donc si on marque même un but, franchement, faudra célébrer. Ah là là, qu'est-ce que je fous? Moi aussi, je joue super mal. Je sais que je suis sur un pressing constant, mais je ne lâche pas la balle. La passe en retrait vers son défenseur. Et maintenant, Jiménez. Si on sort avec un match nul ici, ça sera bien aussi. Parce que je crois que c'est eux qui sont juste derrière nous là. Il a trébuché sur cette intervention. C'est joué long. Oh, Lewandowski. Je voulais passer Dembélé, ça n'a pas... C'était trop téléphoné cette fois. On récupère ce... Ah, mais il n'y a pas faute, arbitre. Là, franchement, je crois que là... Mais tout contact, c'est faute, mais c'est juste incroyable. Regardez, ils vont marquer, regardez. Heureusement, je ne suis pas si nul que ça en défense. Parce que là, regardez, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, arbitre? Heureusement. Mais c'est quoi? C'est quoi ce jeu, c'est juste, je sais pas. Je sais pas comment on va faire. On va devoir changer de tactique et ça, c'est plus vite au plus vite. Parce que cette première mi-temps, c'était juste une catastrophe, les gars, une catastrophe. Donc, vu que c'était une catastrophe, je veux baisser les joueurs. Certains joueurs, je vais les faire baisser ici. Pour pouvoir aider la défense parce que là, c'est juste impossible. C'est juste impossible à défendre. Mais en vrai, regardons si on regarde les stats. S'estimer heureux de ne pas compter un ou deux buts de retard. Ils n'ont pas vu le jour en première période. Bon, j'étais en train de checker, de voir quel joueur je pouvais mettre, mais je vois pas. Franchement, je trouve qu'ils ont presque tout. C'est la même note. Et ça va vite sur la gauche.
bien joué de la part du défenseur. Corner. Les joueurs vont pouvoir souffler un peu le temps de procéder à un changement. Voilà, ça c'est bien Lewandowski. C'est juste impossible. Ce match, ah non, là c'est pas faute. C'est pas vraiment faute. Il y a de la corruption dans l'air, les gars. Franchement, les arbitres sont cheatés ici. Ils aident l'IA, sérieusement. Mais on va tenir, mais on va tenir. Parfois, je trouve que c'est un peu exagéré. Je comprends que l'IA doit être fort, mais de là à ce que l'arbitre siffle du n'importe quoi, non, ça me motive pas, les gars. Attention. C'est juste là. On laisse la balle sortir. On laisse la balle sortir. Et ça va pas sortir. Ça va pas sortir. Regardez. On était sûr. On était sûr. On va faire une jolie passe là-bas pour Lewandowski. Et là, le gardien sort. Là, si j'avais pris cette balle, j'aurais dû tirer. Mais là, ils font du n'importe quoi, les gars. Très bien, je vais dire à part de Busquets. Voilà, là, c'est Gavi. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça, c'est très bien joué. Non, mais qu'est-ce qu'il fout? Il demande la balle et il y va pas. Voilà. Là, on respire. Et il y a juste personne sur le... Il y a personne dans la surface. En même temps, les centres comme ça, pour le Barça, ça n'a jamais marché. Donc, bon, on a Lewandowski, mais... Il faut avoir bien plus que ça pour pouvoir gagner. Attention. Voilà, on garde la balle. Je crois que là, maintenant, on commence à jouer. J'ai voulu passer les Dembélé. Il fallait que je passe Lewandowski, peut-être. Faut nous aussi les presser, hein, parce que... C'est juste une catastrophe, les gars. Attention. Par contre, je commence à sentir de la fatigue. Non, je vois que tout le monde est chaud, donc. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est Eric Garcia. Par contre, je trouve que si on avait Arojo, peut-être on aurait pris des buts. Parce que je le sentais, il est super lent. Ça, c'est pour toi, Koundé. Koundé est très rapide ici. Ah, j'aurais dû peut-être m'attendre à ce qu'il fait un tacle. Attention, 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 les gars, faut pas. Voilà, ça c'est très bien défendu de la part de Piqué. On récupère cette balle. Et c'est parti, Dembélé. Voilà, on peut y aller. Alors. C'est juste impossible, les gars. Je sens que je vais remplacer des joueurs comme Lewandowski parce que je vois qu'il est fatigué, ça ne servirait à rien. Memphis Depay, Dembélé, il est épuisé, il est fini. Rafinha. Donc, ici, je l'enlève aussi. Je vais mettre Pedri. Il ne joue pas, Pedri. Les autres, je vais le laisser. Je vais voir si je pourrais mettre De Jong après. Et Piqué, il est fini aussi, hein, sans se mentir. Même s'il fait un match de ouf. Piqué, il est partout. Piqué, il est partout. C'est un... Je ne peux pas le remplacer, même s'il est fatigué. Il est juste partout, Piqué. On récupère la balle. Mais qu'est-ce que... C'est juste impossible. Attention, piquer ça. Puis, voilà.
Voilà. Oh non, arbitre, là, il y a faute. Hein. Il y a faute. Ah, c'est carton. Il ne donne même pas carton. Cet arbitre, il est corrompu. Parce que là, c'est carton. Là, j'allais directement donner une passe. Et là, ça aurait fait mouche. Allez, on tire. Coup franc. Ouh, très très bon tir de Depay. Ça doit être le premier tir, je vous jure. Le premier tir qu'on a. C'était juste un match catastrophique de notre part. Voilà, j'ai vu l'appel de Rafinha. Et le but de la victoire. Ferran Torres. Et on a souffert, les gars, on a souffert. Faut être sérieux, parce que là, Rafinha nous a aidés. Je crois que ce changement de tactique nous a aidés à quelque chose. Franchement, très très jolie passe de Pedri. Et Rafinha, là je me suis dit, je tire ou je passe. Et je voulais même pas passer à Ferran Torres, je voulais Memphis Depay. Et là, c'est le but juste. But de la victoire, franchement. Rafinha s'est bien battu là. Il a même dévié en fait. Ça pouvait même être un CSC. Là, on va défendre, les gars. On va juste défendre, rien d'autre. Donc on va même faire comme ça, ligne défensive. Où est-ce qu'on fait ça? C'est ici, je crois. Réglage marquage, non. C'est pas ça que je voulais. Formation fluide, non. C'est instruction avancée, je crois. On va faire marquage défense reculée. Instruction en défense. On va diminuer la ligne défensive. On va centrer un peu. On va faire un peu. On va un peu faire. On va les rapprocher un peu comme ça. Voilà, ça va changer un peu quelque chose. La Busquets, il est fini. Il est fini. Il est cuit. Il est cuit, les gars. Là, je vais mettre De Jong pour récupérer. Et puis Jordi Alba aussi, il est fini, les gars. Je vais mettre Marco Alonso. Je crois que c'est les derniers changements que je pourrais faire. Gavi aussi, il est cuit. Tout le monde est cuit, les gars. On a fait un gros match. Attention, attention. Faut pas qu'on prenne un but. Dégagement. Là, il faut juste dégager. Et espérer que Memphis Depay fasse quelque chose avec. En tout cas, Piqué, il a fait un gros match. Qui a fait un gros match. Sans lui, je crois qu'on aurait pris beaucoup de buts. Et voilà, 1-0. 1-0, les gars. Je suis super heureux. Voilà, je me dis, on peut terminer la vidéo par ici, les gars, donc... Je ne sais pas quand on va se retrouver. Est-ce que vous voulez qu'on joue tous les matchs? Je vous montre tous les matchs de la saison. Ou bien vous voulez que je vous montre juste quelques matchs très importants. Ou bien je sauterai chaque fois 3 matchs et puis je reviendrai après 5 matchs. Donc 9 points, on est au-dessus. Où est le Real Madrid? 7 points donc. Donc on va voir un peu le calendrier. Ouais, Gavi, en tout cas, il a fait un gros match. On va voir calendrier, en fait. Donc, après, on jouera Valence, Celta Vigo et Liverpool. Donc, je crois que la prochaine vidéo, on va directement enchaîner avec ces 3 équipes direct. Ouais, direct, les gars. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez la vidéo avec vos amis et à plus.